L'année 2022 marque les 20 ans de la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, qui régit les relations entre les médecins et les patients. En 20 ans, la société a évolué. Le droit médical a évolué. Il a connu le développement du numérique et plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Il a connu, et on le sait trop bien ces dernières années, la crise dite de la Covid-19. C'est aux évolutions de la société et du droit médical plus spécifiquement que s'intéresse le cycle de 3 conférences intitulées « Santé, justice et société ». 3 conférences. La première s'intéressera à la responsabilité médicale et hospitalière, et plus spécifiquement au dialogue des juges. En effet, le droit médical présente la particularité d'être aussi bien traité par le juge judiciaire si l'acte a été réalisé chez un professionnel de santé ou dans un établissement privé, ou par le juge administratif lorsque l'acte a été réalisé dans un établissement public, un hôpital. Une loi unique, 2 juges, est-ce qu'ils appliquent de la même façon les règles qu'édicte la loi? C'est la question à laquelle nous allons répondre lors de cette première conférence. La seconde conférence sera consacrée à l'indemnisation des préjudices corporels à l'heure du développement de l'intelligence artificielle et de l'open data des décisions judiciaires. La troisième conférence sera consacrée à l'expertise. L'expert est un petit peu l'œil du magistrat. La Cour de cassation se devait d'être au cœur de l'ensemble de ces questions sociales, juridiques qui la concernent au premier plan. Outre ce cycle-là, santé, justice et société, nous avons monté ensemble 2 autres cycles de conférences que vous pouvez visionner sur le site de la Cour de cassation. Le premier cycle de conférences portait sur la loi de bioéthique en débat. La première année, nous avons envisagé le début de la vie et la seconde année, nous nous sommes posé la question de savoir quelle loi. Le second cycle de conférences portait sur numérique, droit et société. À cette occasion, beaucoup de thématiques ont été abordées, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Par exemple, la santé, la responsabilité, la justice. Ces 3 cycles de conférences ont été organisés dans le cadre d'un partenariat entre d'une part la Cour de cassation et d'autre part l'Université de Paris 8 et précisément le Centre de recherche de Paris 8.